Christine, il y a quelques instants, nous parlions des doudounes en plumes ou synthétiques. Comment bien les nettoyer? On peut toucher encore un mot sur les cols des doudounes également, qui ont besoin aussi de quelques spécificités. Oui, alors on peut très bien aussi utiliser le bon savon de Marseille. Hein. Le savon de Marseille sur un col, ça marche très bien. Alors bien sûr, on va le mouiller, mais c'est pas très grave, ça sera vite sec. Oui. On va prendre une pierre de savon, on va mouiller le savon et frotter sur le col. Et ça va être assez magique. Hein. Ça, c'est ce que faisaient nos grands-mères pour nettoyer les cols et des chemises. Hein. Et à l'époque, il avait pas tous les deux jours. Hein, et il faisait des travaux souvent assez salissants. Donc ça, c'est assez magique, le savon de Marseille. Alors, je rappelle qu'on utilise du vrai savon de Marseille. Comment reconnaître un vrai savon de Marseille? Eh bien, il faut qu'il marque 72%. Mais d'accord. Parfois, les faux savons sont marqués aussi 72%. Ça, c'est la première chose. Et en fait, il reste 4 vrais savonniers historiques. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est-à-dire, il y a Marius Sabre, le Sérail, le Fer à Cheval et la savonnerie du Midi qui s'appelle aussi la Corvette. Si vous prenez dans ces 4-là, vous êtes sûr d'avoir du vrai savon de Marseille qui date de plus de 100 ans avec des recettes, voilà, familiales.